Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre folle aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 27. Installez-vous confortablement, 4K 60 FPS minimum. Évidemment on n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Bientôt Noël, c'est moi qui vous le dis. Et direction le mariage de notre chère amie Freya, enfin en tout cas là où elle s'était évidemment mariée. Elle va pas se remarier, vous l'aurez des compris. Pillards. Évidemment. Et nous sommes donc à l'hôtel. Et je ne parle pas de l'endroit où nous sommes pour dormir. C'est un mangeur. Oh, derrière, wesh. Il n'a pas sa place ici. Nous devons nous en débarrasser. Attends. Il est instable. Recule. Attention à toi. Ça, je m'en souviens comment le battre. Ok. Ok. Oh la vache. Ok. Ça m'a secoué le crâne. Je me fais rire ce con. Ok. Les biches. Très bien. Il est pas évident. Allez. Fireball. Allez. Des vraies patates dans ta gueule, même si on sait pas si c'est ta gueule. Parce que t'es un putain de caillou. Ok. Allez, viens par ici. Viens par ici, biche. Ok. J'arrive pas, hein. Viens par ici, bibiche. Ok. Allez, viens, dernier coup. Dernier coup. Allez, dégage. Merci, au revoir. Fouh. Bon. On commence plutôt fort, ce début d'épisode. Alors, ça, on prend, évidemment. Avant, ça, on prend. On prend, on prend, et on prend. Désormais, il est à l'abandon. En ruine. J'espère que les objets que je cherche sont encore ici. Alors, je ne sais pas du tout encore ce qu'elle cherche. Ceci dit, ça pourrait être intéressant. Là, il n'y a jamais rien au hasard dans la vie. Voilà, il y a forcément quelque chose à récupérer. S'ils ont mis une plante ici, c'est qu'il y avait quelque chose de caché. Ok, on récupère. Là, on a un coffre tout là-haut, vous le voyez. Comment... Oh, ça je prends, Mimi. Dis-moi tout. Qui a-t-il décrit? Ok. Il me saoule. Il me saoule, mais je l'aime tellement. Superbe. Alors, attendez. Parce que là, on a un problème. On a cette plante qui est reliée jusqu'à loin là-haut. On a ceci. Superbe. Ah. Ouais, forcément, il y en a un deuxième. Alors. Je pense avoir tout fait sur la plante de derrière. C'était juste un petit coffre. On prend. On va aller checker. Là, il n'y a rien. Attends, parce que je... Voilà. J'ai envie de lever la tête parfois. Ça reste des petits bonus à prendre. Je vous le dis. Hop. Merci, mon frérot. Alors, comment on peut faire? On a quelque chose ici. Encore une fois. On va aller... Voilà, j'ai gelé. Si t'as compris le jeu de mots, n'oublie pas le j'aime et dis-le en commentaire. Regarde, là-bas. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Ouais, mais on peut rien faire, la bibiche. Trouver l'emplacement sur la carte. On peut faire. Pardon. C'était un dommage collatéral. Ouais. Non, mais là, je l'ai pas, là. Tiens.
Okay. J'ai. Parfait, superbe. Normalement, Freya serait morte depuis 30 ans. Il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir changer. Si seulement j'avais vu ici. À ta gauche. Ouais, mais alors là. Ok. Allez, super. On va pouvoir se battre comme des bonhommes maintenant. Personne va nous embêter. Oh, et lui l'a pris pour son pote. Allez, ça dégage. Ok. Ouh. Bon, ça m'a coûté un peu de vie. Mais enfin, il y a pire, il y a mieux, il y a mieux, il y a pire. Il y a pire tout pire. Ah oh. Non. Ok, je me suis chié dessus, alors. Pourtant, je m'attendais à un petit truc en vrai, mais je me suis chié dessus. Signé de la famille Illy. L'une des premières familles déchirées par la guerre. Ok. Ok. Oh, une arène. Ça va saigner, mon petit pote. Oh, ouais. Mon diadème est ici. Il est sur ce piédestal, sur le balcon. On doit d'abord éliminer ces créatures. Ah, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Et ça, vu que ça se TP. Ok, une morte. Ok. Hop, je prends. Au moins, je te perds pas de vue. Voilà, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a là? Some dog? Une brèche? It's a fucking brèche. Incroyable. We did it! Mort. Mort, il a disparu comme Odini. C'est terminé pour toi! Let's go! Ok. Ça, je prends. Qu'est-ce que c'est? C'est un beau merdier, mais j'aime le merdier. J'aime le merds. Ok. Je prends évidemment. Ouais, on est bon, on peut continuer. Let's go. Bon, là, on a des quêtes secondaires en veux-tu en voilà. Et c'est pas pour me déplaire, pour être très honnête avec vous. Ça fait. Ok. Priya? Priya, elle est. Où est ma Freya? Les gars, je déconne pas, Freya veut plus envoyer de flèches. Elle est morte? Freya? Ah, oh bah ça, je prends ça, j'ai pas vu. Elle est où? J'ai peur? Oh! Ça vient de pop! Tout vient de pop! Freya, mais envoie! What the fuck? Mais elle veut pas envoyer, les gars! Attends, mais quoi? Mais je suis fou! Mais. Priya, envoie! Il oh, t'appartenait. Putain, ça pour... C'est un symbole d'engagement. Ok.
Après la cérémonie, il m'en faisait faire un chaque semaine, tous plus beaux les uns que les autres. Il a cessé quand j'ai refusé de lui enseigner la magie ancestrale. Mon peuple aussi m'envoyait des présents pour que je n'oublie pas ma terre. Mais à la c'est également. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ne peux pas avoir le truc dans le kiwi là? Un kiwi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle est beaucoup trop forte. Voilà, mais attends, Priya, je t'en supplie, envoie, merci. Envoie un super truc ici. Ah, c'était terrible pour avoir. Ok, superbe. Ça débloque au moins le raccourci, je suis très content. Allez. Ah non, mais sérieux. Priya, quand elle veut pas. Hein. Allez, vas-y, invente-nous un pont. Fais-nous rêver là un petit peu. Ok. Je ne peux rien lire d'ici. Revenons sur nos pas, que je puisse mieux voir. C'est embêtant, là. Là, c'est très, très embêtant. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je... Bizarre, je l'ai pas, hein, vraiment. Hein. J'arrive pas à voir ces plantes. Hein. Ce que tu cherches n'est peut-être pas dans un diadème. Peut-être bien. Let's go. Ah, ça je prends. Oh là, cette fireball est bien passée. Fireball. Okay. Hop, tout passe en règle. Allez, ça dégage. Je vais t'éclater la gueule, mais littéralement dans tous les sens du terme. J'adore ça. J'aime bien. Il y a quelque chose. Voilà, ça. Ah, c'est ça me plaît. Il en manque un morceau. Ah. Alors là, Freya, tu commences un peu à me casser les roubignoles. Ok. Par contre, je me suis fait éclater. La porte est fermée. Si je me rappelle bien, nous devons allumer les deux torches pour l'ouvrir. Ok. En même temps, je suppose. C'est un feu mystique. Ces flammes sont éphémères. Très bien. Bon bah dans ces cas-là, hop. Allez, merci, au revoir. Voilà. Merci la zone. Ok, superbe. Alors ça, si elle me l'avait pas dit, je l'aurais pas deviné, hein, je te le dis. Je rappelle qu'on est toujours en... Putain, salopard. Et là... on est toujours en quête secondaire. Ok, j'ai compris le biche. Où elle est? Je ne la vois pas, cette sorcière. Où elle est? What the fuck? Oh, quoi? Ah ouais, mais là, est-ce un bug? Est-ce normal? Dégage. Je dois casser la gueule d'une sorcière. Ça c'est embêtant. Tout ceci est fort embêtant. Fireball! Attention! Ok. Ok. Très bien. C'est bon, on est tranquille. Lui toujours là.
Ok. Hop. Si ça te dérange pas, je te chicote comme David chicote. Mort. Et ben voilà. Là. Je vois la clé. Ok. Bon, déjà, Mimir, dis-moi tout. Qu'as-tu appris, mon frère? Bon, Mimir, là, tu veux plus faire d'efforts. Nouvelle stèle de découverte, évidemment. Ça, on va prendre, on sait jamais. Oh bah non, c'est un peu déposé. My bad. Y a plus rien d'autre, là? Un peu de vie, un peu d'amour, un peu d'eau fraîche. Ça vient de la cérémonie. Notre coupe, symbole de réconciliation. Ok. Régale-moi, Bichette. Nous avons bu dans cette coupe jusqu'à ne plus tenir debout. Cette okay. nuit-là, je lui ai confié que j'attendais des excuses de frayeur. Odin m'a assuré qu'il était la seule famille dont j'avais besoin. Attends. Et je l'ai cru. La paix disparue de Freya. Effet personnel de Freya trouvé 2 sur 3, évidemment. Pourquoi ça doit toujours faire des rituels de l'enfer, frérot? Un truc qui te fait... Oh, mais j'ai oublié Skov, bah oui, mais parce qu'il y avait un monstre tout à l'heure, évidemment. Aïe. Où avais-je la tête? Qu'est-ce que c'est? Oh, un acier nain, vous savez que j'adore ça en plus. Qu'est-ce que c'est? J'ai même pas vu ça. Enkifri! C'est une dénonciation de mon peuple, du jour de mon mariage. Ok, qui veut dire traîtresse, hein, bien évidemment. Un véritable plaisir. 10 contre 1, qui a sûrement un boss de l'autre côté. Est-ce que j'ai bien ma pierre de Réa? Oui, je pense. Ça coûte même d'ailleurs très très cher. On va devoir l'utiliser, si je puis me permettre, en parmesan. Freya. C'est pas fini. Oh, qu'est-ce que je suis con, bordel. J'ai oublié la porte, j'ai oublié d'activer la porte. Bah ouais, mais elle a retrouvé son objet, je me suis dit, ça y est, c'était le move, tu vois. Vu qu'elle fait de la magie. C'est une sorcière. On prend un peu d'argent comme ça. Eh les gars, un billet de 90 qui traîne, on ramasse. Alors, bon, on va réactiver cette porte. Bah oui, en fait. Oh là là, fallait le savoir. Parce que c'était fermé ici tout à l'heure. Allez, c'est parti. Régale-moi mon cracra. Même symbole. Le mot est complet, mais je ne peux toujours pas le lire d'ici. Redescendons. Allez. On va se faire casser la gueule là ou pas au passage? Non, c'est... Oh. Mais ça, je ne... Je comprends pas, hein. Je suis désolé, c'est... Si quelqu'un a la réponse à ça... Vraiment, et pourtant mieux. C'est... Non. C'est rose. La douleur grandit. C'est, le curseur ça est rose, mais bon. Ça finira bon jamais. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ok. Bon bah déjà tu vas mire ça va être pas mal. Et ensuite on va improviser. Allez. Moi, le mot runique vient fuir au gars. Après avoir livré tant de batailles, pourquoi l'envers de cette porte est-il ce qui m'effraie le plus? Les combats les plus difficiles ont lieu en nous. Mais cette fois, tu ne te battras pas seul. Ah. Es-tu prête? Oui. Ah. Donc là va y avoir un vrai combat, frérot. Le voilà. Mon dernier lien avec Asgard. Nous avons planté cette épée dans ce pilier, ensemble. L'épée fut forgée pour la cérémonie. En symbole de notre union. Molnar.
refuse de céder. C'est dans la peine que se nouent les liens. C'est ce que ce chien a dit pour ses vœux. Je déteste qu'il ait raison. Une partie de moi reste liée à Asgard. À travers mon fils. Et les Valkyries. Ce maudit royaume n'appartient pas qu'à Odin. Il est également le mien. La peine causée est la sienne. Je refuse de m'y accrocher encore. Cette épée ne symbolise plus notre avenir. Mais elle servira le mien. Je préfère qu'il en soit ainsi. Ok, une bonne journée. Nouveau choix d'épée débloqué, personnalisé l'équipement de Freya. Waouh, trop bien. Ok. Freya, épée. Oh, et dire que c'est une compte secondaire. Ah oui, mais non, ça change rien. Si. Corps à corps, s'abattent rapidement sur les ennemis en infligeant des dégâts de Bifrost. Si, c'est très bien. C'est très bien. Ok, superbe. Et là... Ok, et là, qu'est-ce qu'on a? Aha! Ça, c'est stylé, par contre. Hein. En vrai, avec l'épée, c'est un peu stylé. Vas-y, pour changer. J'aime bien changer. J'aime bien le style. Très bien, ça. C'est tout? Y'a rien d'autre? Y'a pas un petit truc caché en haut? Non, dommage. Mais ça, je ne vois pas. Hein. Ça, c'est... Ça a pas bougé, je... C'est l'énigme du siècle. Ok, Mimir, dis-moi tout. Tu as bien fait d'étudier les runes. Je suppose qu'une autre bataille nous attend. Oui. Tu viens d'en remporter une importante. Il y a un truc qui me chagrine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les amis. Il y a un truc là, là. Comme si... Attends. Comme si... Ah non, il n'y a pas plus d'indices. Ok, on se casse. Vas-y Freya. Malheureusement, rien de plus intéressant par ici. On peut rentrer en paix. Quoi? Hein? Ah oui! C'est comme ça. C'est pas grave. Quelques petites patates comme ça. Dans la gueule. Et ben voilà. Allez, on entend moins ta grande gueule. Oh bien ouais. Excuse-moi Wolverine. Ok. Ça c'est fait. Allez, les vraies patates. On récupère un peu. Ah, c'est dégueulasse toujours. Okay.
Et ben voilà. Puis-je parler ? Tu as besoin d'une permission maintenant ? Eh bien, je te dois ma vie, telle qu'elle est. Et moi, je t'ai causé tant de peine. Je t'ai mise dans une situation terrible. Alors, Freya, je regrette sincèrement. Je voulais la paix, aussi. Je sais, mais je jure néanmoins de me rattraper. Tout ce que tu voudras, demande-le. J'ai une dette envers toi. J'apprécie ton geste. Même si ça ne change rien au fait que tu parles trop. Je crains de ne pouvoir m'en empêcher, Majesté. Ok. Eh ben les amis, le mariage de Freya, c'est fait. On peut normalement s'en aller. Un enchantement. Encore un enchantement. À savoir que si j'ai 3 enchantements de la même couleur, je crois que ça débloque un truc de fou. Ok. Ok, ok. Comment on peut faire là, les amis? On a une quête ici. Ne plus suivre. Qu'est-ce que c'est? On a encore des petits trucs à explorer pour finir cet épisode. On va essayer de checker à gauche et à droite. Je me retrouve pas là, je sais pas où je suis. C'est bizarre. Très particulier. Ok. D'accord, ça me dit d'aller au bateau. Bon, on y va. Oh putain! Oh, mais c'est quoi ça? C'est un jeu d'horreur ou quoi, frère? Aller derrière. Ok, on va aller derrière toujours. Oh, dommage. Ok, ça c'est fait. Allez. Alors. Let's go. Ok. Ok. Très bien. Ok. Oh, et ils sont tous stylés eux aussi. Mais ça vient d'où ça? C'est l'œil qui est tout de suite visé. Tant pis pour le bateau. Oh, je me suis chié dessus pour le bateau, les gars. Oh, faut le savoir, hein. Ok. Bah, il y en a un autre ici, impeccable. Je me suis chié dessus. Les amis, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et de commentaire. A très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Bye bye. Il y a bien longtemps que je n'ai plus eu de confident. Le dieu taciturne accepterait-il de me prêter l'oreille de temps à autre? Autant que tu le souhaiteras. Les amis, je peux vous dire que ça en fait de l'XP.
Est-ce que... Non, là, ça sert à rien, je peux pas partir. Mimir, que voulais-tu dire en affirmant que Freyr n'était pas exactement l'hôte des As? Je voulais dire que lorsqu'ils l'ont brûlé, il était déjà prisonnier depuis quelque temps. Ceux qui l'ont ligoté et lui ont mis le feu étaient des As de rang inférieur, amers, irréfléchis, qui voulaient le punir pour un sabotage dont ils le croyaient responsable. Il a survécu, évidemment, et a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps. Son insouciance passée a fait place au cauchemar, à la paranoïa et aux accès de violence. Ça suffit pour l'instant. On se concentre.